Dans le cours d'aujourd'hui, je vais m'intéresser à une question qui est assez intimement reliée à celle du cours de la dernière fois. Je vais me poser la question suivante. Quelle est la luminosité apparente d'un objet qui est situé à une certaine distance de nous dans l'univers? Plus précisément, je vais m'intéresser à la façon dont la luminosité apparente dépend de la distance. J'ai déjà mentionné plusieurs fois au cours des épisodes précédents que la notion de distance en cosmologie est un petit peu ambiguë. Donc je vais préciser la question pour qu'elle ait un sens du point de vue observationnel, un sens très clair. Comment est-ce que la luminosité apparente d'un objet donné dépend de son redshift z? C'est ce qu'on va appeler la relation luminosité-redshift. C'est relié de façon assez intime à ce qu'on a fait avant. Je vous rappelle que le dernier cours, j'ai abordé la question de la taille angulaire, la dépendance de la taille angulaire en fonction du redshift. Là, je parle de la luminosité en fonction du redshift, et il se trouve que ces deux grandeurs font appel finalement au même développement mathématique. Du coup, l'aspect purement mathématique va être assez vite expédié dans ce cours. Je vais assez rapidement vous ramener à ce qu'on a fait la dernière fois. Et je vais passer plus de temps sur des aspects observationnels, des aspects de mesure. Comment est-ce qu'on peut comparer une courbe théorique à des mesures et comment est-ce qu'on fait des mesures intéressantes en cosmologie. Alors, je vais commencer quand même par l'aspect formel, hein, l'aspect théorique. Mon ambition dans ce cours, plutôt que de vous parler dans le vide de la dépendance de la luminosité en fonction du redshift, c'est d'expliquer, de reproduire une courbe qui était publiée dans un article, une courbe historiquement importante, qui est celle que vous voyez maintenant. Elle est extraite d'un article de 1998 de Perlmutter et collaborateurs. Perlmutter, c'est une des personnes qui a eu le prix Nobel pour la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et la courbe que je vous montre maintenant, c'est une courbe justement qui participe de cette découverte. C'est une courbe importante dans ce contexte-là. Ce qu'elle nous montre exactement cette courbe, ce sont des points de données. Vous voyez en abscisse le décalage vers le rouge Z, que je vais appeler le redshift dans toute la suite, et en ordonnée, ce qu'on appelle la magnitude de l'objet. J'aurai vraiment l'occasion d'y revenir, ça, sur la notion de magnitude. Donc pour l'instant, je dis simplement le mot, voilà, ce sont des magnitudes. Donc ce que représentent les points, ce sont les observations de magnitude de certains objets, en fonction de leur redshift, c'est la magnitude apparente, et ce que représentent les traits, les courbes, ce sont les courbes théoriques qui représentent cette grandeur, magnitude, en fonction du redshift. Donc, mon objectif dans ce cours ici, c'est de vous expliquer d'une part comment on obtient les courbes théoriques, les courbes pleines et pointillées, et d'autre part comment on obtient les points de données. Je vais commencer par les courbes théoriques parce que c'est quand même le plus simple. Je vais d'abord m'intéresser, avant de parler magnitude, je vais m'intéresser à la notion de flux. Je vais m'intéresser au flux reçu. Le flux lumineux reçu depuis un objet qui a une luminosité L. Alors, ce que je vais appeler L dans la suite, c'est la luminosité, c'est-à-dire c'est la puissance émise. C'est vraiment une quantité de joules par seconde. L, ici, c'est la puissance émise par l'objet, la puissance lumineuse. Donc, c'est la quantité de joules sous forme d'onde lumineuse émise par unité de temps par l'objet. Je fais un petit dessin ici. On a l'objet qui émet de la lumière dans toutes les directions. Dans un univers qui est purement euclidien, cette lumière, quand elle a parcouru une distance L, elle se retrouve répartie sur une sphère de surface 4 pi L carré. Ce qu'on appelle le flux lumineux, c'est la quantité de lumière, l'énergie lumineuse reçue par unité de temps et par unité de surface ici, à une distance L. Et on se convainc sans mal que ça vaut L sur la surface de la sphère que je viens de considérer, c'est-à-dire 4 pi L carré. Ça, c'est la relation entre le flux, la luminosité et la distance de l'objet dans un espace euclidien. Nous, on n'est pas dans un espace euclidien, on s'intéresse à de la cosmologie, on est dans un espace qui n'est pas euclidien. Je peux reprendre un raisonnement tout à fait similaire, en fait le même raisonnement, en prenant comme surface de la sphère ici de rayon L, non pas 4 pi L carré, mais la surface d'une sphère de rayon L dans un espace qui a une certaine courbure. Ça, on l'a déjà vu pas mal de fois. La surface de la sphère qui est ici, c'est 4 pi fois A fois SK de R. Avec ici, je vais mettre des carrés comme ça pour l'instant. Donc le A, je vous rappelle, c'est le facteur d'échelle. SK de R, c'est une fonction qui intervient dans la métrique. K ici dépend de la courbure et R, c'est le rayon comobile qui est ici.
Et le A, c'est donc le facteur d'échelle. Et celui qui m'intéresse, c'est le facteur d'échelle aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'intéresse à une situation où aujourd'hui, je reçois de la lumière depuis une source qui est située à une certaine distance commobile R. Donc le A qui est ici, c'est A0 en fait. C'est le A actuel. En fait, elle n'est pas correcte, cette relation-là. Il y a deux facteurs que j'ai oubliés, deux effets physiques qui interviennent dans un univers en expansion et qui ne sont pas présents dans un univers euclidien. C'est que d'une part, la lumière est décalée vers le rouge au fur et à mesure que l'univers s'expand. Donc ça veut dire que, si je vais parler en termes de photons ici, c'est quand un photon est émis à une certaine énergie, nous on le reçoit à une énergie qui est plus faible d'un facteur 1 plus z. Donc dans le flux qui est ici, chaque photon en fait voit son énergie qui est diminuée d'un facteur 1 plus z du fait de l'expansion de l'univers. Donc le flux, qui est la quantité d'énergie reçue par seconde par unité de surface, est lui aussi diminué d'un facteur 1 plus z. Et il y a un autre effet à prendre en compte qui est la dilatation relativiste des durées. Et donc les événements qui se déroulent à un redshift z semblent se dérouler plus lentement d'un facteur 1 plus z. Donc la quantité de photons reçue par l'observateur par unité de seconde, elle n'est pas la même que la quantité de photons émise par la source. Il y a un facteur 1 plus z entre les deux. Donc ça c'est un facteur 1 plus z qui se rajoute ici. Donc il y a vraiment deux effets hein, qui sont complètement différents et indépendants. Le nombre de photons par unité de temps est décru du fait de l'expansion de l'univers, et chacun des photons lui-même a son énergie qui est décrue d'un facteur 1 plus z. Donc voilà, tout ça donne finalement la relation entre le flux lumineux reçu, la luminosité de l'objet, et puis des grandeurs ici qui dépendent de la distance de l'objet. Vous avez ici R qui intervient, la distance commobile, et z, son redshift. Alors ce qu'on aimerait bien avoir, ce dont on aura besoin dans la suite, c'est une relation entre ce flux ici et z. Donc il faut s'arranger pour éliminer le R qui est ici, ou plus précisément pas l'éliminer, mais remplacer l'expression SK de R ici par une expression qui fait intervenir Z. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait la dernière fois. C'était exactement ça. C'est pas analogue, c'est identique. On a fait ça la dernière fois. On avait déjà cette grandeur-là qui intervenait dans la notion de distance angulaire. Ben voilà, ici, on a une notion de distance de luminosité. Ce qu'on appelle DL, c'est A0 SK de R facteur de 1 plus Z. Voilà. Et tout ça, le flux qui est ici, du coup, peut s'écrire L sur 4 pi. DL au carré. Donc cette distance de luminosité, c'est la distance à laquelle il faudrait placer cette source lumineuse pour que dans un univers euclidien, on observe effectivement le flux F. Donc encore une fois, ce qui va nous intéresser, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est le flux en fonction du redshift Z. Donc, et ça, on l'a déjà, la relation entre SK de R et Z, on l'a. Là, je vous montre ici à l'écran ce qu'on a obtenu la dernière fois, mais si vous avez pris des notes sur le cours de la dernière fois, vous l'avez vous-même sous les yeux. Et alors, dans les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, la courbe historique, là, je vous ai parlé de magnitude. Je vais le faire plus en détail dans quelques minutes. Pour l'instant, et je vous demande juste d'admettre, juste pendant les quelques minutes qui viennent, qu'il est intéressant d'introduire une grandeur m qui est 2,5 fois le log de f sur un certain flux de référence que je vais noter F0. Donc c'est essentiellement représenter F sur une échelle logarithmique, avec ici un facteur 2,5 qui a une origine historique, mais peu importe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les magnitudes. Et donc on peut, à partir de la relation qui est ici, je prends le log de cette quantité-là, et à une constante près, à constante F0 près, c'est-à-dire en log à un décalage vertical près, je peux tracer sur un diagramme qui représente m en fonction de z, les courbes qui sont ici. J'ai z, j'ai la magnitude ici, et on a tous les éléments en main ici pour tracer ces courbes. Ces courbes dépendent des paramètres cosmologiques. Hein. Je vous rappelle que la relation entre SK et Z dépend des paramètres cosmologiques, hein, selon les valeurs de ωm, ωr et ω lambda. On va trouver effectivement des relations qui sont différentes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pour différents jeux de paramètres cosmologiques, tracer les courbes correspondantes qui sont ici. Donc, ce que je vous montre ici maintenant, ce sont les points de données qui étaient sur la courbe précédente, sur laquelle je superpose les courbes qui découlent des calculs que je viens de vous montrer ici. Pour certaines d'entre elles, la relation entre SK de R et Z ici fait intervenir une intégrale qu'on ne peut faire que de façon numérique.
Et alors, comme la dernière fois, voilà, là je vous montre ici un programme dans le langage que comprend SageMath qui permet effectivement de tracer ces courbes. Donc là, si vous avez le courage de recopier, de faire pause maintenant sur votre ordinateur et de recopier les lignes de code qui sont ici dans une fenêtre de navigateur dans laquelle vous avez ouvert SageMath, eh ben vous aurez effectivement les courbes qui sont ici. Et les courbes qui sont là sont vraiment exactement les mêmes que celles qui sont indiquées dans l'article. Je vous les montre maintenant. Voilà, celles qui sont publiées dans l'article, c'est celles-là. Bon, ben, c'est les mêmes, hein. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. C'est les mêmes calculs, c'est la même cosmologie. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'à moindre frais, en fait, on peut du coup retrouver les résultats théoriques d'un article historique. Alors les courbes que je vous montre là, elles sont vraiment hyper importantes du point de vue historique, hein. J'en discuterai un petit peu plus tard, mais essentiellement, ce que ça montre, hein, ce qu'elles ont montré, c'est qu'on vit dans un univers dont l'expansion est accélérée. Plus précisément, il faut introduire un paramètre oméga lambda sensiblement différent de zéro pour effectivement que les courbes théoriques passent par les courbes expérimentales sur ce genre de graphe. Alors, je suis allé très rapidement sur les points de données là qui sont ici. Je vous ai dit, bah, ils ont tracé des points. Je vous ai pas dit quels objets c'était, comment on les a obtenus, etc. En fait, c'est hyper important et ça, je vais y passer du temps maintenant. Dans l'idéal, quand on veut faire ce genre de diagramme, on aimerait disposer de ce qui s'appelle des chandelles standards. Des chandelles standards, c'est comme le nom l'indique, c'est des bougies. Voilà, c'est des bougies données qui émettent d'une certaine façon. Alors, on peut pas mettre des bougies dans l'espace, donc on prend d'autres trucs. On prend des bougies qui se voient de loin, donc des objets très brillants, mais surtout qui sont très brillants de la même façon partout. On veut disposer d'objets, on aimerait disposer d'objets dont on connaît la luminosité, ou à la limite, même si on la connaît pas, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit la même partout. Et du coup, si on observe tout un tas de ces objets à différents redshifts, on peut placer leur luminosité apparente sur un diagramme de ce type-là, et la forme de la courbe qu'on obtient, elle est entièrement déterminée par la géométrie de l'univers, par son expansion. Donc pour ça, il faut que les objets aient tous la même luminosité, donc ce soit des chandelles standards. Et il faut aussi que ce soit des objets qui soient visibles de loin. Ici, vous voyez que les différentes courbes que je vous montre ici, les différentes courbes théoriques, elles ne diffèrent sensiblement que pour des redshifts plus grands que 0,1, voire l'unité. Donc il faut qu'on ait des chandelles standards, des objets qui soient visibles à des distances aussi grandes que ça. Alors on n'en connaît pas énormément de ces objets-là. Celui qui est utilisé ici, c'est ce qu'on appelle les supernovae de type 1A. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que sont des supernovae de type 1A. Les supernovae d'abord. Les supernovae, c'est en gros des étoiles qui explosent. Voilà, elles arrivent en fin de vie et elles explosent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une étoile peut exploser. Pour des étoiles lourdes, massives, ce qui se passe, c'est que quand elles arrivent à la fin de leur vie, quand elles ont épuisé leur carburant nucléaire, hein, j'imagine que vous savez tous qu'une étoile, ça tient parce que dedans, il y a des réactions nucléaires qui maintiennent la pression et qui l'empêchent de s'effondrer. Bon, ben voilà. Quand ces réactions nucléaires s'épuisent parce que tout ce qui est dedans a été fusionné, eh ben, l'étoile se contracte. Éventuellement, pour fusionner les éléments lourds qui ont été formés dans l'étape précédente, mais ça, il y a un moment forcément où ça s'arrête. Voilà, le nombre d'éléments qu'on peut former comme ça, il est fini. Et pour les étoiles les plus lourdes, il arrive un moment où l'étoile n'arrive plus à se maintenir par des réactions thermonucléaires, elle s'effondre, il y a une sorte de rebond qui se fait, et du coup l'étoile explose. Ça, c'est pas du tout des chandelles standards. Hein. Ça peut avoir plein de luminosités différentes. Ça dépend de la masse. J'ai dit que c'était des étoiles lourdes, mais des étoiles lourdes ou des étoiles très lourdes vont exploser de manière différente avec des luminosités différentes. Donc ça, ces supernovae-là, ça marche pas. Ça n'a pas des chandelles standards. Il y a un autre processus qui, lui, est beaucoup plus intéressant du point de vue de ce que je raconte ici, qui est aussi une supernova. Le processus, c'est le suivant. Il y a certains objets qu'on appelle des naines blanches, qui sont des objets qui ne sont pas tenus par des réactions nucléaires, elles sont tenues par un processus quantique, qui est la pression de dégénérescence des électrons. Je précise. La mécanique quantique interdit à des électrons de se trouver dans le même état quantique, parce que ce sont des fermions. Du coup, si on essaye de mettre plein d'électrons dans un même état quantique, bah, ça ne marche pas, et il faut que les électrons qu'on ajoute se mettent dans des états d'énergie supérieurs à ceux qui sont déjà là. Et ça, quand on étudie ce genre de système, on s'aperçoit que ça donne lieu effectivement à une pression. Cette pression, elle est faible pour des densités d'électrons usuelles, et elle augmente quand on augmente la densité d'électrons. Ce phénomène-là, il devient important pour certains objets, certaines étoiles, qui arrivent en fin de vie, qui se contractent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si elles sont légères,
si elles sont suffisamment légères, effectivement, cette pression de dégénérescence va pouvoir arrêter l'effondrement de l'objet et puis faire un objet qui est stable finalement. Et quelle que soit sa température, c'est ça qui est intéressant, une étoile normale, hein, si on la refroidit, les réactions nucléaires s'arrêtent à l'intérieur, donc du coup ça perturbe l'étoile. Là, les naines blanches dont je parle, donc une fois qu'elles se sont contractées et ont atteint ce stade où la pression de dégénérescence prend le dessus, eh ben, en fait, l'étoile peut se refroidir en gardant la même densité, donc on a des objets qui peuvent être aussi froids qu'on veut en fait. Donc on les appelle naines blanches parce que celles qu'on observe essentiellement, elles émettent à toutes les longueurs d'onde, mais on peut avoir des naines blanches qui émettent plutôt dans le rouge ou même qui sont dans l'infrarouge. Bon. Bref, en tout cas, ces objets-là, on les observe, on sait que ça existe, on les comprend bien. Et il existe une masse maximale que peuvent avoir ces objets. Si la masse d'un objet est trop grande, ça ne peut pas donner une naine blanche, parce que la pression de dégénérescence, du coup, ne suffit plus à contrebalancer l'effondrement de l'objet, l'attraction gravitationnelle de l'objet. Cette masse, ça s'appelle la masse de Chandrasekhar, ça vaut à peu près 1,4 masse solaire. Donc il ne peut pas y avoir de naine blanche de plus de 1,4 masse solaire, c'est ça que je suis en train de dire. Or, et j'en arrive à mes supernovées là, ces naines blanches, on en observe certaines dans des binaires, avec une étoile assez grosse et une naine blanche. Et quand c'est le cas, vous avez un disque d'accrétion qui se forme et vous avez de la matière qui est absorbée par la naine blanche. Donc vous avez ici une grosse étoile, la naine blanche, et vous avez de la matière qui continuellement vient augmenter la masse de la naine blanche. Donc la masse de la naine blanche augmente, augmente, sauf que quand cette masse atteint 1,4 masse solaire, la masse de Chandrasekhar, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objet devient instable, et là du coup, effectivement, l'objet s'effondre, rebondit et explose de manière assez analogue à celle des autres supernovas dont j'ai parlé. Et du coup, ça donne effectivement quelque chose d'extrêmement brillant et ça donne une explosion. Ça, c'est une supernova. Ce processus-là, c'est très probablement celui qui donne lieu à ce qu'on appelle les supernovae de type 1A. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans la classification des supernovae. Il y a des supernovae de type 1, de type 2. Et dans les 1, on a aussi des 1A, 1B, 1C, etc. Ça dépend de la spectroscopie, en fait. Ça dépend des raies qu'on voit là-dedans. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ici du tout. Simplement, voilà. Moi, je vais m'intéresser à ce processus-là, à ces supernovae qui sont issues de l'instabilité des naines blanches quand elles accrètent de l'étoile d'un compagnon. Et la raison pour laquelle ce processus-là est spécialement intéressant, c'est que d'après ce que je viens de raconter, comme j'ai raconté l'histoire ici, à chaque fois que dans l'univers une naine blanche devient instable et explose, elle le fait parce qu'elle vient juste d'atteindre la masse de Chandrasekhar, 1,4 masse solaire. Donc en fait, elle le fait avec une valeur de masse très précise. Donc on a des bonnes raisons de penser que, quel que soit l'endroit et l'époque à laquelle une supernova de type 1A se produit, elle a les mêmes caractéristiques en fait. C'est toutes les mêmes. Ça arrive, c'est un seuil en fait. Hein. Donc dès que la masse de la naine blanche dépasse le seuil, pouf, ça explose. Ben donc ça arrive de la même façon un peu partout dans l'univers. Alors ces explosions de supernovae, ce sont des processus qui mettent un petit peu de temps. Hein. C'est pas une explosion comme on voit dans les films et dans James Bond. Ça met un peu plus de temps que ça. Si on représente en fonction du temps ici la luminosité d'une de ces supernovae, ça fait quelque chose comme ça grossit. Puis ça décroît comme ça, enfin ça augmente et puis ça décroît, ça c'est le flux lumineux reçu. Avec ici une échelle typique de une semaine et ici une échelle typique de quelques mois. Voilà, un mois, quelques mois, mais ça met beaucoup plus de temps à décroître qu'à croître. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la phase ici montante, on a vraiment une explosion, il se passe tout un tas de choses compliquées, notamment des réactions nucléaires. Et ces réactions nucléaires, eh ben, elles forment notamment du nickel 56, voilà, en grande quantité. Le nickel 56, il a la propriété de se désintégrer en cobalt 66, 56, sur une échelle de temps qui vaut à peu près 6 jours. Et lui, le cobalt 56 se désintègre, il est radioactif aussi, hein, ces deux-là sont radioactifs, il se désintègre pour donner du fer 56 avec un temps, lui, qui vaut 77 jours. Donc la courbe qui est ici, ce qu'elle représente, c'est ici une grosse explosion qui forme du nickel radioactif. Et puis ensuite, ça, c'est la décroissance du nickel en fer en passant par le cobalt, donc sur une échelle de quelques dizaines de jours. Et donc si effectivement ces objets sont des chandelles standards, si toutes les explosions de supernovae se font de la même manière partout dans l'univers,
Ces courbes-là sont les mêmes et on peut par exemple s'intéresser à cette quantité-là, le flux au maximum. Le flux maximum émis par une supernova devrait être le même partout dans l'univers. C'est pour ça qu'on peut estimer en première approximation, j'y reviendrai, que les supernovées de type 1A sont des chandelles standards, c'est-à-dire que leur luminosité au maximum sont a priori les mêmes tout le temps et pour toutes les supernovées. Du coup, les points qui figuraient sur la courbe que je vous ai montrée au début, ce sont ces points-là. C'est des points pour lesquels on a pris le flux ici. On a observé des supernovées, on a mesuré le flux au maximum, on en a pris le logarithme pour avoir des magnitudes et on les a mis sur le diagramme. Alors là, je le dis rapidement, mais en fait, ça ouvre une boîte de Pandore. On va l'ouvrir ensemble. Imaginons que vous êtes un observateur et vous vous dites, bah, effectivement, il y a de temps en temps des supernovées qui explosent dans le ciel et je vais essayer de les repérer, de mesurer leur luminosité apparente à leur maximum. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Bah, vous dites, bah, je vais observer une portion du ciel aussi grande que possible, je toque. Et en continu, je vais regarder ce qui se passe. Et puis si à un moment donné, je vois quelque chose qui se met à augmenter sur une échelle d'une semaine et puis à décroître sur une échelle de quelques mois, on peut se poser la question si c'est une supernova de type 1A. On fait des tests éventuels, j'y reviendrai. Et une fois qu'on l'a détectée, on prend sa luminosité, on trace sa luminosité ici en fonction du temps. On prend ce point-là, je toque, et ça nous donne le flux maximum. Boum, on l'a, très bien, donc on a détecté une supernova, on a son flux maximum et on pourra la mettre sur la courbe de tout à l'heure. Sauf que, dans les phrases que j'ai faites là, il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas du tout du point de vue de l'observation. Déjà j'ai dit, si on observe en continu le ciel, ça, on ne peut pas le faire. Il y a déjà un truc essentiel en astronomie, c'est que la moitié du temps, il fait jour. Donc déjà, avoir la courbe de lumière ici de manière continue, c'est absolument impossible. Tout ce qu'on peut espérer avoir, c'est des pointillés. Jour-nuit, 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 voilà. On n'aura déjà que la moitié de la courbe ici. Je veux dire, ce n'est pas forcément très grave si ça nous permet effectivement de bien localiser le maximum. Elle est là la question. Est-ce que ça permet de bien localiser le maximum? Je vous rappelle ici que l'échelle de temps qui est ici, c'est 7 jours. Donc ça veut dire qu'on aura 7 pointillés ici, en gros, entre le début et la fin. Sauf que sur l'ensemble des points qui sont ici, il y en a un sur quatre, en gros, qu'on ne pourra pas avoir, parce qu'il y a un autre truc qui nous gêne en astronomie, que le Soleil, c'est la Lune. Et en gros, une semaine par mois, la Lune, elle est brillante la nuit, et du coup, elle aveugle les astronomes, et quand on veut faire des mesures précises de flux luminosité, ça s'appelle la photométrie, ben en fait, on ne fait pas ça autour de la pleine Lune, quoi. Donc il y a aussi un quart du temps là-dedans qui va être mis en l'air, qui va être gâché, on va dire, par la présence de la Lune. Si ce quart de non-observabilité il tombe juste ici, voilà, on est mort, quoi. On ne peut juste pas observer cette courbe de lumière-là. Avec un peu de chance, celle-là, son quart de non-observabilité va tomber ici, on pourra bien l'observer. Okay. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu aussi. C'est que là, j'ai mis des pointillés comme si toute la nuit, on pouvait observer la supernova et suivre sa courbe de luminosité. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que même au cours d'une nuit, on peut pas. La manière dont marchent les télescopes, c'est qu'on fait une photo d'un endroit, on prend éventuellement, on en prend plusieurs clichés, mais on ne va pas passer toute la nuit à prendre un seul champ. Souvent, il y a des programmes d'observation qui essayent d'optimiser le temps de télescope. Le temps de télescope peut être parfois partagé entre différents observateurs. Donc l'un va vouloir observer ça, mais l'autre pas du tout. Il va vouloir observer un autre truc qui est ailleurs et pas du tout votre champ dans lequel vous cherchez des supernovées. Certaines nuits vont être entièrement dédiées à d'autres observations que les vôtres, donc ça veut dire que sur les 7 pointillés ici, il n'y en aura pas 7 qui vous seront alloués à vous. Donc déjà, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un point là, vous aurez un point là, peut-être un là, et puis un là. Voilà, vous aurez quelque chose comme ça. Je mentionne aussi en passant que des fois, il ne fait pas beau. Ça veut dire que là-dedans, sur certains des points que vous auriez peut-être pu observer parce que c'est dans votre programme d'observation, le télescope ne marche pas, on n'allume pas le télescope parce qu'il y a du brouillard, ou parce qu'il y a des nuages, ou parce que le télescope est en maintenance, ou parce qu'il est cassé, ou parce qu'il y a une panne informatique. Ce n'est pas des choses qui arrivent très souvent, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc sur une année, il n'y a pas une année qui passe sans que plusieurs de ces problèmes-là ne surviennent. Donc ça veut dire que parmi les points qui sont ici, il y en a aussi certains qui vont disparaître, auxquels vous n'aurez pas accès, parce que votre télescope n'aura pas pris de données à ce moment-là.
Donc le problème observationnel ici qui se pose, le problème vraiment c'est un problème d'échantillonnage en fait, hein. On a quelques points ici. Voilà, on a ça. On a des points ici qui nous donnent le flux reçu en fonction du temps. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que on fait pour déterminer le max? Parce que c'est ça qui nous intéresse. La première chose à ne pas faire, évidemment, c'est de prendre le plus grand des points qui sont ici. Parce que rien ne nous dit ici qu'il n'y a pas un point qu'on a loupé qui aurait été plus haut. D'ailleurs, si on regarde la courbe qui est ici, on a quand même envie de mettre quelque chose comme ça, hein, dans les points. Bah, effectivement, c'est ce qu'on peut faire. Si on est sûr que l'objet qui est ici est une supernova de type 1A, eh ben, on peut coller dessus la courbe théorique ou la courbe attendue ou les courbes observées pour plein d'autres supernovae sur ces points-là, voir la courbe qui passe le mieux et du coup en déduire comme ça le maximum de la courbe. C'est effectivement une chose qu'on peut faire et qui est faite. Alors je vous ai ici simplifié la tâche, j'arrête pas de dire sauf que depuis tout à l'heure, mais je vais continuer, effectivement, il y a encore d'autres subtilités ici. Là j'ai fait comme si effectivement on avait accès à la luminosité, en chacun des points qui sont ici, de la supernova ou de l'objet qui nous intéresse. Là on a un objet par exemple qui devient brillant et puis qui en quelques mois va s'éteindre. En général, une supernovae, c'est pas quelque chose qui apparaît au milieu de l'espace intersidéral comme ça. C'est quelque chose qui est dans une galaxie. Il faut qu'il y ait une étoile pour qu'il y ait une supernovae ensuite. Les étoiles, elles sont dans les galaxies. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'objet ici qu'on observe, il va être sur une galaxie. Donc, on a des galaxies ici dans le champ, et sur une des galaxies, on aura la luminosité qui va se mettre à augmenter puis à décroître. Ce qui veut dire que la courbe qu'on obtient ici, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est celle de la galaxie, je vais supposer qu'elle est constante au cours du temps. On a une galaxie qui est tranquille, voilà, qui n'a pas trop de fluctuations. On a la courbe de lumière ici de la supernova. J'ajoute les deux. C'est la courbe qui est ici. Et les points de données auxquels je m'intéresse, c'est ceux-là. Donc ce qu'on mesure, hein, c'est vraiment, voilà, la luminosité de la galaxie plus celle de la supernova. Donc quand on veut ajuster ici la courbe pointillé au point d'observation pour pouvoir en déduire le max, il faut arriver aussi à modéliser la galaxie sous-jacente. Il faut connaître le flux de la galaxie. Ça se fait assez bien dans la mesure où la galaxie qui est ici, on peut ou bien l'avoir observée avant, donc c'est un champ qu'on a déjà observé. Si ça fait quelques mois qu'on fait cette expérience-là et qu'on observe ce champ de ciel, bah, on a certainement beaucoup déjà d'images de cette galaxie-là, donc on peut arriver à connaître sa luminosité, et donc on arrive à connaître le plateau qui est ici, le piédestal en quelque sorte. J'ai tracé ici, pour la luminosité de la galaxie, j'ai mis un trait ici, comme si, je vous ai dit, c'est une galaxie qui est tranquille, donc elle émet de façon constante. Là aussi, il y a une subtilité. C'est que même si une source émet de façon constante, ça ne veut pas dire que vous recevez de la lumière de façon constante. Ça ne veut pas dire que chaque mesure de la luminosité reçue va donner exactement la même valeur d'une mesure à l'autre. En fait, il y a des fluctuations de nature quantique. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Quand on la décrit de manière quantique, on la décrit en termes de photons. Mais le nombre de photons associés à une source, le nombre de photons reçus par seconde, c'est une quantité qui est aléatoire, en fait, hein, du point de vue de la mécanique quantique. Donc, vous, ce que vous allez observer, c'est pas ça. Si on n'observe que la galaxie, en fait, on observe quelque chose qui est comme ça, voilà, qui a des fluctuations, et d'une fois sur l'autre, on va observer plus ou moins de photons. La valeur moyenne, elle est bien définie, c'est ce qui définit effectivement la luminosité de la galaxie, mais d'une mesure à l'autre, eh bien, vous avez comme ça des fluctuations. C'est le cas aussi d'ailleurs pour la supernova, hein, exactement de la même façon. Ces fluctuations-là, elles sont d'autant plus importantes, dans manière relative, que le flux est faible. Si vous avez une galaxie qui est très peu brillante, les fluctuations vont être en valeur relative importantes. Alors que si la galaxie est vraiment très brillante, c'est en valeur relative, encore une fois, ces fluctuations vont être négligeables. Détecter une supernova dans le fond qui est ici, ça ne va être possible que si la luminosité de la supernova est bien supérieure aux fluctuations qui sont ici, au fond. Donc, ce qu'il faut comparer pour savoir si on va arriver à détecter une supernova, c'est le signal de cette supernova aux fluctuations du fond sous-jacent, et non pas le signal de la supernova au fond lui-même. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas hyper intuitif, mais qui est vraiment, vraiment super important. Il faut comparer le signal aux fluctuations du fond. C'était une parenthèse, je reviens à mon propos principal.
Alors, je viens de parler de caméra CCD, je vais quand même vous montrer ce à quoi ressemblent des images qu'on obtient avec un télescope. Vous avez peut-être en tête des images qu'on voit dans Ciel et Espace ou sur Internet, voilà, d'une image astro, c'est beau, il y a des couleurs et tout ça. Voilà en fait à quoi ressemble, à quoi peut ressembler une image obtenue par un télescope professionnel de plusieurs mètres de diamètre et qui va être exploité pour obtenir des données scientifiques. Voilà à quoi ça peut ressembler. Ce que vous voyez ici, c'est un champ d'étoiles dans lequel vous avez tout un tas de défauts. Donc l'image qui est ici, vous voyez notamment certaines raies sombres. Donc vous avez en fait des colonnes de pixels qui sont mortes, certaines parties du composant effectivement qui sont inactives. Et on va pas spécialement, on va pas les changer à chaque fois qu'il y a une colonne morte. Donc on fait avec. Vous avez aussi là-dedans tout un tas de choses intéressantes. Vous avez une étoile très brillante ici, dont la lumière a un peu bavé sur les colonnes, sur les CCD voisins. Donc ça donne une colonne brillante. Donc s'il y a une supernova en dessous, bah tant pis pour nous. Vous avez un astéroïde ou un avion qui est passé là, pof. Vous avez aussi cette espèce de grosse image toute pas belle là. Ça c'est l'image que laisse le dispositif qui tient le secondaire, le miroir secondaire. Dans un télescope, vous avez un miroir secondaire qui est en avant du primaire. Ça perturbe en fait la propagation de la lumière. Ça l'arrête. Et en fait, vous en avez une image qui est faite, celle qu'on voit ici. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui empêche de voir ce qui est en dessous. Et si vous regardez bien, vous avez aussi des franges. Donc on les voit peut-être pas très bien sur la figure qui est ici, mais même le fond ici, ce qui serait un fond uniforme, le fond du ciel, il y a des franges en fait. C'est des franges d'interférence qui sont dues aux inhomogénéités d'épaisseur du CCD. Donc ça se comporte comme un petit film d'huile. Vous avez tous juste l'expérience où quand on regarde une flaque d'huile au soleil, on voit des couleurs. Là, c'est un peu ça qui se produit aussi sur le CCD. Donc il y a aussi toute une étape de traitement de l'image qui nécessite d'aller se débarrasser de tous ces défauts-là, masquer les endroits où on sait que ça va être inexploitable, là où est passé l'avion, là où on voit l'image du secondaire, là où il y a la grosse étoile, arriver à enlever les franges d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui introduit des incertitudes sur le résultat final. C'est un métier, hein, ça aussi. C'est vraiment un métier en soi d'arriver à analyser à rendre propres les images qui sont là. Il ne s'agit pas de les rendre propres visuellement, hein, c'est pas ça du tout dont je parle. Il s'agit de les rendre propres dans le sens où on arrive à aller chercher là-dedans l'information scientifique qui va nous permettre de tracer, par exemple, la relation entre la luminosité et le redshift que je vous ai montré depuis le début. Quand j'ai commenté la courbe que j'ai tracée de façon schématique, là, la courbe de lumière, j'ai fait l'hypothèse, j'ai dit, tiens, si on sait que c'est une supernova de type 1A, eh ben, on n'a qu'à tracer la courbe attendue par les points et ça permet de déterminer le maximum. Si on sait que c'est une supernova de type 1A, comment le sait-on? On a un objet qui est en train de devenir brillant dans le ciel, où on a observé qu'il était passé par une phase brillante et puis décroissante. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est une supernova de type 1A? Il y a d'autres objets dans l'univers que des supernovas qui effectivement ont des luminosités qui varient. Ça peut être une étoile variable. Il peut se passer un truc dans la galaxie autre chose qu'une supernova à ce moment-là. Il y a tout un tas de choses qui sont effectivement possibles. Une manière imparable, c'est d'obtenir le spectre de la galaxie. Le spectre, c'est vraiment quelque chose qui nous informe sur ce qui se passe dans l'objet, en astronomie, hein, de manière générale. Donc si on arrive à prendre le spectre de la supernova, on va pouvoir s'assurer que c'est une supernova, et puis que c'est bien une supernova de type 1A. J'ai mentionné différents types de supernova au début. Ben voilà, le spectre, ça permet d'affirmer qu'il s'agit bien d'une supernova de type 1A. Or, obtenir le spectre d'un objet, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux en astronomie. C'est coûteux en temps, essentiellement. En effet, faire de la spectroscopie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la lumière qui arrive sur le télescope et on veut séparer cette lumière suivant les longueurs d'onde du rayonnement. Donc ça, on le fait avec un prisme ou avec un réseau ou les deux. Bon, il y a des systèmes dispersifs qui font ça bien. Et on représente ici ce que j'ai noté F lambda, le flux reçu par unité de longueur d'onde, et à chaque fois qu'on reçoit un photon, paf, on le met ici dans la longueur d'onde qui va bien, tiens, on en reçoit un autre là, puis un autre là, puis tiens, on en reçoit un autre là, etc., et puis on fait comme ça, là, on fait la courbe, et on obtient un spectre. Bon.
Si on veut que le spectre il soit bien précis, si on veut voir notamment des raies, il peut y avoir des raies d'absorption comme ça, des raies d'émission comme ça dans un spectre. Si on veut avoir une bonne résolution ici sur ces raies, il faut observer très longtemps parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de photons à cette longueur d'onde-là. Il faut observer beaucoup plus longtemps que pour avoir l'image simplement de l'objet, se dire tiens, l'objet est en train de devenir plus brillant. Le fait que l'objet devienne plus brillant, ça veut dire que l'ensemble de la lumière qui est là-dedans est plus important. Mais après, pour avoir le spectre de manière détaillée, il faut observer longtemps. Longtemps, ça peut vouloir dire 10 heures, hein, sur des supernovées qui sont à un redshift de 1, z égale 1. Typiquement, ça peut être effectivement 5 heures, 10 heures d'intégration. On met le télescope sur l'objet et on attend 10 heures et on prend le spectre. Et voilà. En fait, c'est la nuit. Hein, ça peut être une nuit. On peut peut-être en faire 2 ou 3 par nuit, suivant les objets, suivant leur brillance. Mais en tout cas, pas plus, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de coûteux. Si on veut gagner un petit peu en coût, on a intérêt de prendre le spectre de la supernova quand elle est le plus brillant, c'est-à-dire quand elle est à son maximum. Sur la courbe, cette fois-ci, qui représente le flux en fonction du temps, qui est une courbe comme ça, on a intérêt à prendre, à être le plus près possible de ce point-là pour prendre le spectre, pour gagner en temps d'intégration. Là, vous commencez à voir la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où la supernova atteint son maximum, il faut qu'on soit prêt, il faut que des astronomes soient prêts à observer cette supernova. Donc il faut que, avant que la supernova ait atteint ce point-là, on l'ait identifié, en fait, qu'on sache que c'est une supernova, ou une supernova potentielle, et qu'on voilà, qu'on ait communiqué avec les observateurs, les astronomes, de tels spectroscopes pour leur dire, ben voilà, la prochaine nuit, vous allez observer lui et faire son spectre. On n'a pas du tout accès à cette partie-là du tout, du coup, hein. Donc il faut arriver à identifier les supernovae avant leur maximum, juste dans leur phase montante, avec, hein, j'ai dit que ici c'était en gros une semaine, donc c'est quelques jours ici, donc c'est quelques points de données. Voilà, on a quelques points de données montants, et il faut arriver à s'assurer que, avec une bonne probabilité, l'objet effectivement sera une supernova. Donc ça, c'est une tâche qui est pas spécialement évidente, hein. Il y a tout un tas de techniques de traitement de l'information pour faire ça. Si on connaît beaucoup de supernovas qui ont déjà eu lieu et qu'on connaît bien la façon dont leur luminosité est montée, eh ben on arrive d'autant mieux à détecter à l'avance les supernovas. Mais une des réussites des expériences qui, en 1998, ont réussi à montrer que l'univers est en expansion, accéléré, est vraiment liée à juste ça, hein, arriver à détecter, très vite détecter que ça, c'est une supernova. C'est en train de monter, ça va continuer à monter, tel jour ça sera au max, et on prendra un spectre de l'objet pour s'assurer que c'est une supernova, de type 1A. C'est pas le seul avantage d'avoir le spectre, entre parenthèses, hein, quand on a le spectre, donc on a le type de la supernova, mais on a aussi du coup le redshift, de manière détaillée, puisque le redshift c'est justement le décalage de certaines raies. Donc si on identifie des raies dans la supernova, on a aussi le redshift de manière précise. Donc ça demande, du point de vue de l'organisation, hein, ça demande vraiment une grande coopération entre différents télescopes, certains qui observent des régions du ciel de manière régulière pour observer, pour rechercher des objets dont la luminosité est en train de monter. Donc une collaboration de ces gens-là avec des gens qui savent faire de la spectroscopie. Il faut s'assurer à l'avance qu'il y aura du temps de télescope, hein, parce que les supernovae, c'est des événements aléatoires, on les commande pas, donc voilà, et quand elles arrivent, il faut être prêt. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut à l'avance négocier avec des observatoires qui font de la spectroscopie pour qu'il y ait des créneaux qui soient réservés pour... On sait pas quoi, en fait. Enfin, on a confiance. Il faut avoir confiance dans le fait que, bah voilà, telle nuit, le 12 juillet, boum, 12 juillet au soir, il y aura une supernova quelque part et il faudra prendre son spectre. Ça, il faut le savoir, le 10 juillet ou le 9. C'est impossible de dire à tel endroit il y aura une supernova, mais ce qui est possible, c'est, voilà, si j'observe un champ de ciel suffisamment grand, j'ai une très bonne probabilité d'avoir quelques supernovae dans le champ, et donc je sélectionnerai celles qui sont les plus prometteuses et on les enverra à la spectroscopie. Donc ça demande pas mal d'organisation, hein, tout ça. Autre aspect qui est problématique sur ces mesures, c'est la notion même de mesurer un flux. Donc, pour l'instant, j'ai juste dit on mesure le flux reçu à tel et tel instant. Mesurer un flux lumineux, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement délicat en astronomie. C'est probablement le truc le plus délicat, en fait. Si on a une source lumineuse qui est qui est dans l'espace, en dehors de l'atmosphère terrestre, le flux lumineux qu'on reçoit sur Terre, il est affecté par la présence de l'atmosphère qui peut absorber
diffuser une partie de la lumière. Vous avez aussi éventuellement de la lumière parasite qui peut venir s'ajouter à la lumière que vous mesurez. Par exemple, si la Lune qui est part dans le ciel, il y a une partie de la lumière qui est due à la Lune. Vous pouvez avoir des lumières parasites dues aux villes aussi, hein, si vous êtes dans un environnement urbain. Bon, en général, les télescopes, ce n'est pas le cas, mais voilà, donc vous saisissez l'idée, vous pouvez avoir de la lumière parasite. Donc, si vous avez un télescope, que je vais mettre de manière très schématique comme ça, la lumière qui arrive ici, le flux lumineux qui arrive à l'entrée du télescope n'est pas forcément le même que celui qui est en dehors de l'atmosphère. Donc vous avez l'objet qui a un flux lumineux bien donné, l'atmosphère qui le perturbe un petit peu, puis ça arrive dans ce télescope. Vous avez ici de la lumière qui, allez, je vais faire ça quand même de manière un peu réaliste, vous avez un miroir primaire, pouf, un miroir secondaire, un trou, et puis ici un détecteur. Donc c'est lui finalement qui détecte la quantité de lumière. La quantité de lumière qui va atteindre le détecteur dépend du télescope que vous avez choisi, de son diamètre, de ses caractéristiques, de la manière dont une partie de la lumière peut éventuellement être arrêtée ou réfléchie sur les bords du télescope, etc. Donc ça, c'est un métier en soi, hein. Voilà, les astronomes, une partie des astronomes, c'est leur métier de faire ça, d'arriver à comprendre tout ça. Et ce que ça sort, ça, c'est un signal électrique. Jadis, c'était des photomultiplicateurs, maintenant c'est plutôt des matrices CCD, et même que vous avez sur, enfin, le même genre que ceux que vous avez sur vos appareils photo ou vos caméras. Mais voilà, il y a toute une chaîne entre le flux incident en haut de l'atmosphère et le signal électrique que vous recevez. Pour comprendre, nous, ce qui nous intéresse, c'est la grandeur qui est ici, hein. Quelle énergie lumineuse par unité de temps, par unité de surface, a atteint l'atmosphère ici? Et ça, on veut déterminer cette quantité en mesurant le signal électrique qui est là. Donc il faut réussir à remonter tout ça, comprendre le télescope, comprendre l'atmosphère et tout ça. Si on essaye de le faire brutalement, les sources d'erreurs, d'incertitudes, elles sont monstrueuses là-dedans, vraiment. Ça, c'en est une, le télescope aussi, l'électronique qui sert à lire la carte aussi. Il y a vraiment tout un tas de choses qui viennent perturber, potentiellement dégrader la mesure. Et du coup, quand on effectivement veut mesurer le flux d'un objet, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. On n'essaye pas de faire une conversion directe entre le signal électrique qui est ici et l'objet qui est là. On fait ça de manière différente. On fait ça par référence. On se donne un objet. Plutôt, on essaye de faire en sorte de connaître la luminosité d'un objet donné. Je vais le mettre dans cette couleur-là. Imaginez que dans le ciel, on ait un objet, dans le champ qu'on est en train d'observer, dont on connaît la luminosité. On l'a mesuré par avance, voilà. Le travail qui est ici, on l'a fait une bonne fois pour toutes pour cet objet, peu importe. On a effectivement un objet dont on connaît bien les caractéristiques. La lumière qui vient de cette référence va être affectée par l'atmosphère de la même manière, a priori, que l'objet qu'on regarde, puis la dégradation due à tout ce qui est ici, va être la même. Donc en fait, si je compare ici le signal électrique dû à la lumière de l'objet qu'on veut observer et le signal électrique de la référence, ces deux quantités vont être affectées de la même façon. Donc si je compare ça à ça, ce que je suis en train de dire en gros, hein, c'est que si je compare ça à ça, ça revient finalement à comparer ça à ça. Donc la seule chose que j'ai à faire finalement, c'est compter le signal électrique ou même de façon un peu plus proche de ce que vous connaissez des images. On a une image avec des pixels, un certain nombre de signaux, une certaine quantité de signaux par pixel. On compte le signal dans les pixels de l'image de la supernova. On compte le signal dans les pixels de l'objet de référence et puis on fait le rapport. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si tout se passe bien, le signal électrique que j'ai mis en blanc ici, divisé par celui qui est en couleur, je vais l'écrire comme référence. Ça, c'est égal au flux recherché divisé par le flux de l'objet de référence. Ça, c'est une grandeur qui est beaucoup plus facile du coup à mesurer que f lui-même dans l'absolu. Donc en photométrie, c'est la mesure de quantité de lumière en astronomie. Donc en photométrie, on s'arrange le plus possible pour mesurer le rapport du flux de l'objet qui nous intéresse avec le flux d'un objet de référence. Et ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que finalement, même si on ne connaît pas le flux absolu de l'objet de référence ici, à la limite, peu importe. Du moment que cet objet est stable, si on a choisi une référence
qui n'a pas de raison spéciale de varier au cours du temps. On peut effectivement prendre cette référence pour tous les flux qu'on mesure d'une semaine à l'autre pour un objet donné, ou même pour d'un objet à l'autre. C'est-à-dire que voilà, dans le champ, on a un champ de vue avec différents objets. S'il y a une étoile de référence dedans, eh ben, on peut ramener tous les flux mesurés de tous les objets à ce flux de référence-là. Et c'est vraiment cette grandeur-là qui va nous intéresser pour construire le diagramme que je vous ai présenté au début de ce cours. Et ça m'amène à la dernière notion que je vais aborder ici, qui est celle de magnitude. Souvent, ce qu'on indique, ce n'est pas tellement f sur f référence, c'est le logarithme de f sur référence. Alors ça, c'est juste un changement de... Ça, c'est juste une manière différente de noter les choses, hein, qu'on prenne le rapport ou le log du rapport, ben voilà, on obtiendra des nombres différents, mais peu importe. Il se trouve que en fait, ce logarithme-là, si on multiplie par moins 2,5, on obtient une grandeur qui est vraiment assez proche de ce que, depuis l'Antiquité, les gens appelaient la magnitude. C'est-à-dire que les gens, avant d'avoir des appareils de mesure de la quantité de lumière, essayaient de classer la luminosité des objets à l'œil, et donc ont établi un système de magnitude. Et en fait, l'œil, c'est un capteur qui est logarithmique, hein, en gros. Donc, on s'est aperçu ensuite, une fois qu'on a eu des mesures plus précises, que le classement par magnitude qui avait été établi depuis l'Antiquité, ben, en fait, correspond en gros à moins 2,5 fois ce logarithme-là. Donc ça s'appelle un système de magnitude. Et on le note petit m. Et plus précisément, ce qu'on appelle la magnitude de l'objet, d'un objet, c'est défini comme ça. C'est défini à une constante près. Je vais dire tout de suite ce que vaut cette constante. Donc la magnitude, c'est une constante, moins 2,5 fois le log du flux divisé par le flux de référence. Et les quantités qui sont ici, là, en fait, c'est elles qui font que le système de magnitude est hyper important. C'est pas tellement le 2,5 ou le log. On dit parfois les magnitudes, bah c'est le log du flux. C'est un système qui prend le log du flux. C'est vrai, mais c'est pas ça le point important. Le point important du système de magnitude, il est ici. Le MRF qui est ici, c'est une convention qu'on adopte pour un objet qui a un flux f de référence. On se dit, voilà, j'ai un objet de référence, par exemple une étoile dans le ciel donné. Je vais tout de suite être même plus précis. Vega. Vega. Vega, c'est un des objets de référence qui est effectivement pris dans pas mal des applications dont je parle ici. Donc, on a Vega dans le ciel, qui est une étoile à peu près stable, qui émet un certain flux lumineux. Et ben, je décrète que la magnitude de Vega vaut, par exemple, 0,03. On verra tout de suite après pourquoi j'ai mis ce nombre-là, mais voilà. Donc, quand on fait ça définit finalement un système de magnitude. Et quand vous voulez connaître le flux lumineux d'un objet autre que Vega dans le ciel, vous observez Vega, vous mesurez le rapport f sur f référence par des mesures de ce type-là. Donc vous faites le rapport des signaux reçus en observant Vega et en observant l'objet. Alors là, il y en a peut-être parmi vous qui sourient parce que ça, on ne peut pas le faire vraiment comme ça, j'en parlerai après, mais bon, dans le principe, c'est ça qu'il faudrait faire. Donc on obtient cette quantité-là, on fait le rapport, et ça nous donne du coup la magnitude qui est ici. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de connaître le flux vraiment de Vega dans cette chaîne ici. Tout ce que j'ai à savoir, c'est que, bah, par exemple, le flux ici est 10 fois plus grand que le flux de référence. Donc le log qui est ici, c'est un log décimal, hein, ici, hein, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est un log décimal. Donc si le flux qui est là est 10 fois plus grand que le flux de référence, log de 10, ça vaut 1, boum, ça veut dire que la magnitude de l'objet, on vient de mesurer, donc elle valait 0,03 moins 2,5, c'est-à-dire moins 2,47. Boum. Donc ça, c'est une manière de mesurer les magnitudes. Donc on s'est donné, on a défini une magnitude de référence pour un objet de référence, et ça nous permet de mesurer les magnitudes d'autres objets. Alors, en pratique, il faut un tout petit peu préciser ça. J'ai parlé de magnitude et de flux de manière globale. En fait, quand on fait des observations en astronomie, on n'observe pas l'ensemble du flux lumineux d'un objet, on met des filtres qui laissent passer simplement une bande spectrale donnée. Donc, ce que je vous montre ici, là, c'est différents types de filtres. Hein. Vous voyez en haut, ça s'appelle Johnson-Cousins, puis Washington, SDSS, etc. Tout en bas, HST, c'est ceux du télescope spatial Hubble. Et donc, vous avez en fonction de la longueur d'onde, les longueurs d'onde, donc la transmittance, donc ce que laissent passer ces filtres dans différentes bandes spectrales.
Et on leur donne des noms. Par exemple, pour Johnson Cousins, vous avez UBVRI. U, c'est l'ultraviolet. Bleu, c'est du bleu. En gros, V, du vert. R, du rouge. Et I, de l'infrarouge. Et donc, quand on fait des observations en astronomie, on fait passer la lumière qui traverse le télescope par un filtre qui ne laisse passer qu'une certaine bande spectrale. Et les flux qui sont ici, ce sont les flux dans telle bande spectrale. Par exemple, je vais prendre la bande V ici de Johnson Cousins. Donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je mesure le signal électrique qu'on obtient quand on a mis le filtre V. Poum, ça donne le flux dans la bande V. Et la magnitude dans la bande V, du coup, va être donnée par cette grandeur-là, avec ici MREF, la magnitude de référence dans le V de l'objet de référence. Et du coup, le 0,03 ici, c'est vraiment la magnitude de référence dans le V de Vega. Donc c'est pour ça que j'avais pris cette valeur-là. Et il faut définir ces magnitudes de référence là pour toutes les filtres, hein. Par exemple, pour un filtre dans le rouge, la magnitude dans le rouge serait définie par M ref dans le R cette fois, moins 2,5 log de F dans le rouge sur le flux de l'objet de référence dans le rouge. Et ça, il faut aussi définir sa valeur. Pour Vega, lui, ça vaut 0 en fait. En fait, dans toutes les autres bandes que le V, ça vaut, la magnitude vaut 0, et dans le V, elle vaut 0,03. Voilà. Donc ça, c'est un système de magnitude, voilà, basé sur Vega. Pour ceux parmi vous qui ont déjà fait un petit peu d'astronomie, là, vous rigolez doucement parce que vous dites non mais c'est n'importe quoi, elle a complètement pété les plombs là, parce que ce qu'il nous raconte, c'est simplement impossible. Si on suit bêtement, disons naïvement, ce que je suis en train de vous raconter, je donne l'impression que voilà, pour mesurer une supernova pour mesurer le flux lumineux venant d'un objet dans le champ qu'on est en train d'observer, il faut avoir Vega dans le champ en fait, voilà, avoir Vega dans le champ et puis observer un objet qui est à côté. Et puis mesurer le signal électrique de l'objet divisé par le signal électrique dû à Vega. Ça, c'est pas possible parce que Vega, c'est monstrueusement brillant. C'est l'un des objets les plus brillants dans le ciel. Donc si on essaye d'observer Vega en même temps que d'autres choses dans le ciel, bah, ça marche pas. Vega, il vous éblouit complètement. Ce que vous risquez simplement, c'est de cramer le CCD, hein, de cramer la caméra et ça va pas bien se passer pour vous. Donc le faites pas. Donc la manière dont c'est fait, c'est de définir une chaîne d'étoiles de référence, c'est-à-dire de se servir de Vega pour déterminer la magnitude d'objets légèrement plus faibles que Vega. Et ça, on peut le faire. Si on a des objets de magnitude similaire, on arrive à les observer correctement en même temps. Puis, avec ces objets secondaires, ces références secondaires, on en forme des tertiaires, etc. Donc on fait une chaîne comme ça. C'est un peu comme les étalons de mesure, hein, comme le kilogramme. On prend des kilogrammes secondaires, puis après des kilogrammes tertiaires, etc. Là, c'est la même chose, c'est des étalons en quelque sorte de luminosité. Et voilà, donc on a des étoiles de référence dont la magnitude a été bien mesurée une bonne fois pour toutes. Et on s'arrange pour observer des champs dans lesquels on a certaines de ces étoiles de référence. Donc celle qui avait été utilisée dans l'expérience dans laquelle j'avais travaillé un petit peu, SNLS, c'était des étoiles de Landolt, ces étoiles de référence-là. Et il y en avait effectivement quelques dizaines dans les champs qu'on observait. Et donc du coup, les magnitudes ici, hein, ce qu'il faut prendre, c'est ces expressions-là, avec ici le flux de référence des étoiles de Landolt, et ici la magnitude de référence mesurée pour ces objets-là. Donc, mais j'insiste, hein, vraiment ici sur le fait que la magnitude, c'est pas juste passer d'une grandeur à son logarithme. C'est vraiment imposer un objet de référence et ne faire que des mesures relatives, finalement, ne faire que des mesures de flux qui sont relatives à ces objets. Et ça, c'est autrement plus facile que de mesurer un flux absolu. Je vous ai montré tout à l'heure tout un ensemble de systèmes photométriques, de filtres utilisés par différentes expériences. Vous voyez que c'est pas les mêmes. Ça, c'est un problème. Hein. Enfin, ça, c'est potentiellement un problème. Ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire que si dans une expérience qui veut mesurer des supernovae, vous utilisez effectivement cette expression qui est ici avec pour V ici les filtres de Johnson Cousins et que vous voulez comparer ça aux magnitudes trouvées par une autre expérience qui, elle, utilise par exemple les filtres SDSS. Ben vous allez trouver des magnitudes différentes. Pour un même objet, les magnitudes que vous allez obtenir sont différentes puisque les filtres sont différents. Donc il y a une partie du travail ici quand différentes expériences mettent leurs données en commun. Il y a une partie du travail qui est de transformer les données obtenues par un jeu de filtres
en ce qu'on aurait obtenu avec un autre jeu de filtre, passer d'un jeu de filtre à l'autre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui introduit, qui participe aux incertitudes finales sur le résultat. Donc j'ai parlé à plusieurs reprises d'incertitude. Donc effectivement, si vous regardez la courbe que je vous montre depuis tout à l'heure, les points de données qui sont indiqués sur la courbe ici sont affectés d'incertitude. Il y a des barres d'erreur qui lui sont associées. Et du coup, le jeu, une fois qu'on a placé ces points de données et leurs barres d'erreur, c'est de voir quelles sont les courbes théoriques qui passent le mieux par les points de données. Et voilà, bah quand Perlmutter et ses collaborateurs l'ont fait en 98, voilà, ils se sont aperçus que les courbes qui passaient le mieux par ces points de données, ce sont des courbes dans lesquelles on a une constante cosmologique qui n'est pas nulle. De façon plus forte et plus précise, ils se sont aperçus que si on suppose que la constante cosmologie est nulle, alors ça ne marche pas du tout, la courbe ne passe pas par les points de données. 1998, ça commence à dater, ça fait presque 20 ans. Voilà, depuis, ces courbes ont été reprises, refaites, plus précisément, les points de données ont été refaits. Il y en a beaucoup qui ont été ajoutés, mais vraiment beaucoup. Donc là, ce que je vous montre maintenant, c'est des versions modernes de ces courbes-là. Et toutes ces expériences, effectivement, confirment qu'on vit dans un univers dans lequel le oméga lambda n'est pas nul. Donc il y a une constante cosmologique. Ou quelque chose qui joue le rôle de constante cosmologique, et surtout, on vit dans un univers dont l'expansion est aujourd'hui accélérée. Alors, on montre souvent les résultats sous cette forme-là, dans le plan des deux paramètres cosmologiques oméga m et oméga lambda. On montre les régions qui contiennent les paramètres qui donnent des courbes acceptables, c'est-à-dire les valeurs des paramètres qui donnent des courbes théoriques qui passent effectivement par les points de données. Alors plus précisément, ici on voit des ellipses. Les points de données sont affectés d'incertitudes. Il y a des barres d'erreur, donc ça implique des erreurs ou des incertitudes sur les valeurs de oméga m et de oméga lambda. Et donc ça implique que dans le plan oméga m, oméga lambda, il y a toute une région qui est autorisée, toute une région qui donne des courbes qui passent de manière acceptable par les points de données. Donc voilà, ici je vous montre un exemple d'un article relativement récent. Toutes les expériences qui mesurent les supernovae de type 1A donnent effectivement des contraintes sur les paramètres cosmologiques de ce type-là. Il y a d'autres contraintes qui viennent d'autres types d'expériences, ça j'en parlerai plus tard, dans un cours plus tard. Dernière chose, j'ai fait comme si les supernovae de type 1A étaient des chandelles standards. En fait, on sait que ce n'est pas exactement le cas. Par exemple, deux naines blanches qui ont des compositions différentes vont exploser de manière différente. L'explosion peut se faire d'une manière qui n'est pas exactement asymétrie sphérique, donc suivant l'endroit d'où vous voyez l'explosion, vous pourrez voir des courbes de lumière qui sont légèrement différentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir en compte. En fait, il faut corriger les points de données qui sont ici en tenant compte de cet effet que toutes les supernovae ne sont pas exactement les mêmes. La chance qu'on a dans ce business-là, c'est que certes, ce ne sont pas des chandelles standards, mais ce sont des chandelles standardisables. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les supernovae qui étaient par exemple les plus brillantes étaient aussi celles qui mettaient le plus de temps à exploser. Donc si on arrive à mesurer correctement le temps sur laquelle la supernova explose, eh ben on arrivera à savoir si c'est d'un type plutôt très brillant ou plutôt un petit peu moins brillant. Voilà. Donc on peut en fait corriger la luminosité observée en tenant compte de la durée mesurée pour l'explosion. En fait, de l'échelle de temps de la courbe de lumière. Il y a une autre grandeur aussi, c'est la couleur de la supernova. Quand on a des données dans plusieurs longueurs d'onde, on peut déterminer la couleur de l'objet. La couleur en astronomie, c'est la différence de magnitude dans deux bandes spectrales différentes. Et donc on s'aperçoit aussi que cette couleur, elle est corrélée à la luminosité totale. Donc on peut aussi, au lieu de mesurer la durée, mesurer la couleur de la supernova et corriger la luminosité observée en tenant compte de sa couleur. Les bleus et les rouges, en gros, pour dire les choses de manière très, très naïve, les rouges et les bleus n'explosent pas de manière identique. Donc il faut arriver à savoir si tiens, celle qu'on est en train d'observer, c'est plutôt une bleue ou plutôt une rouge. J'arrête cet épisode-là ici. J'espère vous avoir un petit peu éveillé votre intérêt sur des questions observationnelles. Il y en a certaines que j'ai dû laisser de côté. Je vais juste donner un mot-clé ici pour si vous voulez voir plus loin, mais une petite subtilité que je n'ai pas mentionnée et qui est assez intéressante sur les supernovae, c'est ce qu'on appelle la correction K.
Le fait que quand vous avez deux supernovas à des redshifts différents, la lumière que vous recevez dans une bande spectrale donnée, par exemple dans la bande V, elle n'a pas été émise dans la même bande spectrale pour l'une que pour l'autre, puisque la lumière a été décalée vers le rouge. Donc quand vous observez avec un filtre V, selon le redshift de la supernova, vous observez la lumière qui a été émise, par exemple, dans le B ou bien dans le U. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte pour analyser les observations dont je viens de parler. Voilà, j'arrête vraiment ici. C'est pas que j'ai épuisé le sujet, mais j'ai probablement épuisé votre patience à vous. Donc je passerai à autre chose la prochaine fois. Là, ça clôt vraiment la série de cours et d'épisodes sur les aspects géométriques de notre univers, les paramètres cosmologiques, la courbure, l'expansion. Et je commencerai la prochaine fois à vous parler du contenu de l'univers, d'histoire thermique de l'univers, du fait que l'univers se refroidit, donc il était chaud avant, et ce qui se passe dans un univers chaud.